350 invités dans la cour d'honneur, dont 110 têtes couronnées et chefs d'État. Et sur le parvis du château, sous le soleil, 3000 invités. Petit pays mais grand mariage, Monaco recevait aujourd'hui la planète en son palais. Alors le prince a décidé de pousser les murs en installant dans la cour d'honneur une cathédrale à ciel ouvert. Le prince Albert fait son entrée, visiblement très détendu. Quelques minutes à peine, et Charlène arrive au bras de son père, dans une robe de princesse. 20 mètres de traîne, voile en tulle de soie, une broche de diamants de la famille Grimaldi dans les cheveux. La cérémonie peut commencer. Albert Alexandre, voulez-vous prendre Charlène Linette comme épouse? Oui. Charlène Linette, voulez-vous prendre Albert Alexandre comme époux? Oui. Albert et Charlène viennent de sceller leur destin, échangeant baisers et sourires. À l'issue de la cérémonie, les jeunes mariés se sont rendus à la chapelle Sainte-Dévote, où, comme le veut la tradition, Charlène a déposé son bouquet sur l'autel en hommage à la sainte patronne de Monaco. C'est alors que la princesse a laissé échapper quelques larmes d'émotion.